Les amis, on est sur Gmod aujourd'hui et je vais jouer le rôle d'une michetonneuse. Mon but va être de ramasser un max de fric en arnaquant les mecs, voilà. Alors par contre, je vais pas pouvoir prendre une voix de femme parce que j'y arrive pas du tout, ça fait un truc chelou sinon. La meilleure voix de femme que je peux faire, c'est ça. Donc, je vais garder ma voix normale qui est un petit peu grave et avec ce corps de femme, je pense que ça peut être encore plus drôle. Regardez-moi cette michetonneuse, qu'est-ce qu'elle est belle. Putain, elle est habillée comme une souillon de la raclie, quoi. Attends, je vais mettre le casque sur ma tête, on sera ambiancé au maximum. En quoi consiste une michetonneuse? Alors il y a plusieurs écoles qui disent un petit peu ce qu'ils veulent. Bah, une michetonneuse, c'est une meuf qui prend un peu les mecs pour des pigeons. Voilà, donc elles utilisent leur charme en fait pour avoir un peu ce qu'elles veulent. Je pense que ça peut être marrant. Regardez cet homme, une belle proie. Bonjour mon brave, comment allez-vous? T'as bien une voix un peu de... Voilà, ça commence déjà. De mec, toi, tu serais pas un peu... Ah, pas du tout. Ah non, alors attendez, je vous explique. En fait, je suis une femme et je vous trouve très beau. Et j'aimerais être votre ami. Vous avez de l'argent par hasard, monsieur? Parce que c'est surtout ça qui m'intéresse en fait. 1,6 million sur moi, là, exactement, monsieur. 1,6 million? Mais monsieur, je vous aime déjà. Ah, attendez, ça tire un peu partout là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon écoutez monsieur, ça vous dirait pas qu'on aille se marier parce que vous avez surtout un gros compte en banque? Parce que je vous aime. Ah ouais, je suis plutôt beau gosse hein, vous trouvez? Ouais, vous êtes très très beau. Mais 1,6 million, c'est pas assez pour moi, je suis désolé en fait. Allez, bonne journée. Non, nous on veut pas du petit poisson comme ça. Qui me siffle? Coucou beauté. Oh là là. Attendez monsieur. Oh là là. Vous avez combien sur votre compte là monsieur? Je voulais savoir. 67 000, pourquoi? Oh là 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 là, petit zizi. Mais attendez, on prend pas en dessous de 2 millions quoi, on va pas se faire arnaquer non plus. Je vais devoir trouver un mari qui a 2 millions de dollars. Vous avez 67 000, il m'a pris pour qui? Il m'a pris pour une catin? Oh là mon brave, vous avez un beau quad, dis donc. Oh là, bah, qu'est-ce qu'il fait? Je suis Gertrude Pédoncule. Ah merde, vous n'avez pas de micro. Ah dommage. Putain, on est tombé sur un muet encore. Mais attendez, soit ils sont pauvres, soit ils sont meufs, faut pas déconner. Oh là, bonjour mon brave, comment vas-tu? Non merci. Non mais t'inquiète pas. Attends, y a pas de photo, c'est payant mon petit. C'est 10 balles la photo, t'as cru quoi? Non merci, je tiens ma santé. Comment ça il tient sa santé? Attendez, j'ai pas le DAS moi. Un homme avec une belle voiture. Oh mon bon monsieur. Monsieur, je vais te défoncer la gueule. Monsieur, vous avez une très belle voiture, écoutez moi je suis une dame. Voilà. Oh, le RP est mort les copains. Tu vas voir ce qui se trame là-bas, j'ai toujours pas trouvé de mari, c'est la galère. Bonjour, attendez s'il vous plaît, je veux vous parler. Non, j'ai pas ton temps, vas-y casse-toi là la nuit. Mais non, mais écoute, je te trouvais très beau. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez monsieur, attendez, cet homme vient de sortir un paquet de cocaïne de je ne sais où. Il doit être riche à souhait. Y'a quoi là-dedans là? Attendez, on va récupérer le paquet de coke. Monsieur, c'est de la cocaïne? Attendez, vous rigolez ou quoi? Vous devez avoir beaucoup d'argent, 62 000 dollars. Touche pas notre dos. Ah non! Bon, y'a pas un banquier là, célibataire, qu'on peut se serrer? Ah, c'est pas vrai, je vais devoir rouler dans ma vieille Twingo. C'est vrai, vous voulez me donner votre quad? Ouais, allez, cadeau, c'est gratuit. Une petite question par hasard, monsieur? Ouais. Vous avez combien sur votre compte en banque par hasard? Un certain prix. Un certain prix ou un prix certain? Un certain. Ah, bon, bah merci pour le quad en tout cas, ça va me permettre de serrer un peu mieux. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce quad? Mais qu'est-ce que t'as un problème toi? Pourquoi t'as des ailes? Ah non, moi je me tire. Je suis une michetonneuse en quad dans la ville, je ne sens plus mes ailes pousser. Serait-ce pas un dépanneur là-bas ou je ne sais quoi? Ah non, c'est un gros. Ah bah d'accord. Bonjour mon brave. Messieurs, dames, bonsoir, je peux rentrer dans votre maisonnette s'il vous plaît? Oui, c'est qui? C'est une femme en rut qui est là pour vous servir. Vous êtes qui? Vous voulez pourquoi? Écoutez, je viens pour répandre de l'amour sur votre corps. Pardon? Ça aurait été possible de venir toucher vos bourses, monsieur, vos boursicotes. Monsieur, c'est gratuit, écoutez. Vous avez juste à me nourrir et à me donner un toit. Par contre, vous me redonnez mon quad, sinon je vous tue. Allez, monsieur, on ouvre la porte, on baisse son pantalon, monsieur. Vous inquiétez pas, je suis une femme gentille. Ah, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ils sont partout. Évidemment, ça va toujours comme Jaja. Mais attendez, monsieur, California, vous avez pas de micro, là, par hasard? Bon, écoutez, vous avez combien sur votre compte en banque, là? Moi, j'ai pas le temps, là, pour une danse. Même si ça va toujours comme Jaja, attendez, j'ai un homme à trouver. Voilà, il me donne du fric. Ça des 44 000 dollars. Oh mon dieu, monsieur, c'est mon jour de chance, merci. Putain la vache, le mec il m'a donné du fric comme ça, quoi, il est fou. Je t'aime, mais moi aussi je t'aime. Mais si nous marions, ce serait peut-être une bonne idée. Ah, d'accord, bah c'est bon, on est barrié alors. Bah je te propose qu'on essaye de rentrer dans cette maison. Vous voulez pas ouvrir là, messieurs dames? Khmedo là, Khmedo. C'est qui quoi? Écoute-moi bien, je suis une femme qui gère l'amour. Donc si tu m'ouvres pas la porte,
Je vais faire une grosse crotte devant ta porte. Ok, je le défonce. Ah, attends, il va nous tuer. Viens, Jaja, monte sur mon quad, on se tire. Oh la vache, il a failli nous tuer, frère. Non mais, en vrai, t'as combien sur ton compte? Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Oh putain, on se fait tirer dessus, mec. On s'est fait tirer dessus. Écoute, est-ce que t'as quelque chose à dire à tous les abonnés de Toonie? On va acheter des Twinkies. Oui, on va acheter des Twinkies. Alors ça, c'est une excellente remarque. Putain, hey, j'espère qu'il y a un vendeur de Twinkies. Attendez, moi, je vais pas me faire baiser 10 fois non plus. Enfin si, mais par des hommes riches. Non, c'est carrément horrible. Oh my god. Oh my god, nous y sommes. Oh my god. Oh, oh my god, le retour de Twinkies. Putain de porte de merde. Ça... Ah, voilà. Bonjour, monsieur, dame. Y a-t-il des Twinkie Winkie dans ce restaurant extraordinaire? Oh mon dieu. Il n'y a point de vendeur de Twinkie. C'est la fin du monde. Bon, écoute-moi. Tu peux pas m'aider à trouver un homme riche parce qu'en fait, je suis actuellement une michetonneuse à la recherche de fric. Moi, je vais retourner un peu à l'aventure avec mon quad. C'est toujours aussi dur à contrôler, cette histoire. Hein. Ça va pas changer. Oh là, il se passe quoi, là? Il se passe quoi? Wesh, les bros, ça va, la famille? Si, si, bien ou quoi? Victime. Mais victime Tezos. Ouais, cousin, ça va ou quoi, frère? Eh, mon pote, t'as des tétons qui pointent, mais j'ai tellement envie de les toucher, mon frère. Vas-y, fais goûter un peu de lait. T'as quoi, frère? Quoi? T'as un problème, toi? Qu'est-ce que t'as? Non, où cacher quoi, frère? Où cacher quoi, frère? Je sais pas ce que ça veut dire. Le quad! Ah, le quad, on me l'a donné. Ah, d'accord. Eh, t'as combien sur ton compte en banque, mon pote? Eh, t'es riche ou pas, mon pote? 200 000. Ouh, y a peut-être moyen de faire quelque chose, mon frère. Écoute, tu cherches pas une femme de qualité? Une femme de qualité supérieure qui est habillée comme moi, regarde comment je suis belle. Non, je suis pas une michto. Je me suis sapé pour toi comme une bonne raclie. Regarde, j'ai été à H&M, j'ai pris les meilleurs fringues juste pour toi. Non, arrête de frapper. Pourquoi tu frappes? Frère, ma name is Michael Jackson. Quoi que tu disais, Michael Jackson? Oh, Michael Jackson. Je suis fan de Michael Jackson. Michael Jackson. Bon, je le laisse avec son nez. Ah, bonjour, monsieur de la police. Oh, et pourquoi vous avez fait ça? C'était mon mari. Bon, monsieur, j'ai une petite question à vous poser. Ah, non, arrêtez de frapper tout le monde, vous, là. Il est complètement excité, là, ce monsieur, là. Faut l'arrêter, je crois. Regardez, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais Guigoube est bon fou. Arrêtez, monsieur, vous faites peur. Ah, monsieur, votre salaire, il est de combien dans la police, mon petit monsieur? Face au mur, monsieur, face au mur. Attendez, vous m'avez appelé monsieur. Ah, tu es pas mon mari. Ça, c'est compliqué, hein, pour trouver quelqu'un de bien dans cette ville. Oh là, vous avez un très beau chapeau, vous, monsieur. Voyez-vous en noir, qui courait, là, vers l'hôpital? Oh. Attendez, je vais m'occuper de quelqu'un, là-bas. Ça veut dire, mais moi, je peux m'occuper de vous, s'il vous plaît? Il suffit juste de me nourrir et de me donner un toit. Si vous avez un peu d'argent sur votre compte, tout se passera bien. J'étais arrêté. Oh, mon petit chinois, j'étais arrêté. Aide-moi, s'il te plaît. Tu peux tuer le policier, s'il te plaît? Il est chiant. Allez, à l'attaque. Allez, Michael. Vas-y, fume-le. T'as fait quoi, la fille? Il est en train de me défendre, les chinois. Les chinois, Michael Jackson. Ah ouais, tu viens me voir en prison, on fera une nuit nuptiale. Oh merde. Mon petit chinois, tu es où? T'es dans la pièce à côté, là? Et tu veux pas faire un petit tour? Ah, je te vois! Je te vois, mon petit chinois! Regarde, je suis dans la porte juste en face. Tu vois ou pas mes seins qui bougent à travers la fenêtre? Ah, je te vois! Moi aussi, je vois des petites têtes toutes plates et un peu jaunes. Bon, le mec m'a libéré. Cool, on va retourner voir notre copain, le chinois, dans la prison. Putain, j'espère vraiment qu'il a un compte en banque bien rempli. Tout est fermé, malheureusement. Vous n'êtes pas à la recherche d'un peu d'amour? D'une femme? Oh là! Agression! Il me fiste! Vous n'avez pas de burne, monsieur. Arrêtez. Ah, la bonne calope! Oui, c'est moi. Tu veux de l'argent? Mais grave! T'as combien sur ton compte, toi, par hasard? Mais pourquoi t'as des ailes comme ça? T'as cru que t'étais dans Disneyland ou quoi? Eh bah voilà, on est bien dans votre voiture. Vous avez vu comment je suis bonne, monsieur? Monsieur, c'est normal, vous avez une voix bizarre, hein. Non, c'est bah vous pouvez dire madame déjà. Une énorme moule baveuse. Ah, vous m'emmenez à la plage. Oh là là, vous êtes un galant homme. Vous avez un bateau peut-être. Non, et puis cette petite cape que vous avez dans le dos, j'ai tellement envie de la trifouiller et lui faire des igouigoui dessus, vous savez. Une meuf qui a une voix de bonhomme. Mais j'ai pas de voix de bonhomme. Arrêtez avec ça, c'est ma voix normale. Je suis une femme avec la voix un petit peu grave, tu vois. Oui, n'est-ce pas? Je suis la femme Jean-Marie Le Pen. Je suis Jacqueline Le Pen. J'ai actuellement 2 boursicottes dans mon pantalon. Et un œil de verre, n'est-ce pas? J'ai un gros calibre. Puis-je le mettre dans ma bouche, vous voyez? On peut marcher au fond de l'eau? Non mais what the fuck? C'est quoi ce bordel? J'étais parti pour nager, je me retrouve à marcher comme Jésus au fond de l'eau. Rejoins-moi à la mairie. Qu'est-ce qu'il raconte? Rejoins-moi à la mairie, c'est le mort qui parle. Ma grosse voiture, t'as touché ou t'as pas touché à ma femme? Mais t'as une grosse voiture parce que t'as un petit zizi, c'est ça? Oh non!
Non. Regardez, il y a une bonne salope à côté de vous. Quoi vous avez dit? Attendez, vous rigolez ou quoi? Frappez-le. Ah, attendez, bougez pas. Moi, je vais lui mettre des bonnes patates dans sa gueule. Alors, comme ça, je suis une salope, saloperie. J'étais ton mari il y a 2 secondes et là, tu me traites. Tu débris pour qui? En plus, t'as pas une thune, tu sers à rien. Ah, ben voilà, on va se mettre un petit peu en vendeur de Twinkies, ça faisait longtemps. Messieurs, dames, bonjour, je vends des Twinkies chauds, Twinkies frais. C'est comme vous voulez, ils sont frais, ils sont chauds, mais Twinkies, qui en veut? Bonjour et bienvenue dans mon restaurant de Twinkies. J'espère que vous allez bien. Nous allons déguster le plat le meilleur du monde, vous savez. Non. Y a personne qui travaille avec moi. Je suis le seul à savoir la recette secrète des Twinkies. Bon, écoutez, ça vous dit un petit Twinkie là au calme? Bah, ils avaient les tacos ici, les Twinkies. Oh, mais oui! César, regardez, ils sont là! Regardez, y'a les éboueurs qui veulent bouffer des Twinkies, quoi. Allez, boueurs, tu veux des Twinkies? J'espère que c'est pas pour venir les jeter à la poubelle. Bonjour, monsieur. Voilà, vous l'avez trouvé comment, mon Twinkie, monsieur? Nickel, super, il est génial, bien cuit et tout, c'est parfait. Voilà, on dirait que vous parlez dans un tube, c'est très bizarre. Vous avez enfoncé un tube dans votre gorge récemment? Va falloir arrêter de manger des tuyaux, monsieur, par contre, sinon ça va mal se passer. Bon, vous souhaitant la bonne journée et puis que vos poubelles se portent bien. Quoi? Pourquoi vous me donnez du fric? Je ne suis plus une michetonneuse, je suis un vendeur de Twinkies. Mais j'aime bien quand même l'argent, alors je vais te prendre merci. C'est bien. Mais tout le monde me donne du fric sur ce serveur, regardez, je suis blindé, j'ai jamais travaillé une seule fois de ma vie sur le serveur. Monsieur, mangez un Twinkie, ça vous portera chance. Vous vivrez longtemps et vous aurez plein d'enfants. Ça fait du s**t en masse dans vos burnes. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo Gmod, c'est encore le bordel. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, vous pouvez partager également si vous en avez envie. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. Au revoir.